L'homme André Mac Odige, c'est groupette pour secteur presse dans le pays d'Haïti, d'après témoignage en pile journaliste qui a eu une chance de travailler beaucoup d'hôtel pendant 20 dernières années. Sorti dans la radio nationale, passé dans la télévision nationale d'Haïti, pour arriver dans la radio-télévision Pacifique, André Mac Odige fait l'école. C'est plusieurs générations de journalistes qui bénéficient de compétences. André Mac Odige qui a passé plus fort de temps à travailler comme directeur d'information dans la radio nationale. Puis 2006, je collaboré avec lui, m'a appris un pile de lit. Je comprends que les gens soucient tout pour aider les jeunes, encadrer les jeunes, jeunes professionnels, conseiller aussi aux enseignants. Parce que j'ai enseigné journalisme dans l'école formellement, mais mon qui beaucoup de lieux, c'était un mentor, un encadreur, un conseiller, si on monte tout, on travaille dans la radio nationale, qui, pour moi-même, t'as allé au-delà de ça, au demandé, parce que, il passait des heures de formation, qu'il est dormi, tellement le consacré à travail là, et ceci, même le week-end, samedi, dimanche, dans la radio, que ce soit pour émission, pour autre chose. En gros, c'est un gros professionnel de l'information, qui comprennent le métier très bien, qui ont pile rigueur, en pile éthique professionnelle. Témoignage en pile, ancien ministre de la communication, Jean-Emmanuel Jacquet, qui a eu une chance de travailler beaucoup d'hôtel, vantait qualité professionnelle André Mac Odige. André Mac Odige, c'était un journaliste qui a eu un souci pour bien faire, lui exigeant pour qualité de travail journaliste au fait, vérifier sous information plusieurs fois, bien traité texte journalistique yo. Quant à Ang, Jean ak présentation nouvelle yo, il était toujours très sensible pour ça, d'après Emmanuel Jacquet, qui présentait des faits comme un professeur toutiste qui gagne en pile rigueur. C'est pas seulement un directeur de formation, c'était ça, on réviseur. Ça veut dire, son nèg qui gonze yeux sur toute bagaille. Tout ça qu'a écrit, bien entendu, son radio qui était un paquet de compétences. Et en matière d'écriture, en matière de radio, parce que puis faut mon époque ça, c'est de monde qui était une grosse expérience dans les médias, dans la radio. Mais Odige t'as suivi toute bagarre, ou qui comme impression l'hypothèse radio à Soudol. Sorti dans la radio avec télévision nationale d'Haïti pour arriver dans la radio télé Pacifique, André Mac Odige prouvait le comme un professionnel accompli qui participait dans la formation pratique plusieurs dizaines de confrères journalistes. C'est une grosse compétence et on va aller confirmer ce que la presse a fait. D'après témoignage. Un professionnel nan niveau André Mac Odige, moi c'est que secteur là, il a pris un peu de temps pour les produire un aide comme ça. Moi, on collaboré avec André Mac Odige pendant plus passé 10 ans. Depuis 2010, m'a travaillé dans la salle des nouvelles radio nationale ensemble avec André Mac Odige. On capable dire c'est un aide qui gagne plume ni. Et tout le monde va parler qui fait expérience ensemble avec André Mac Odige. Et Abdou ça, monsieur Gon recul, l'a écrit. Si vous collaborez ensemble avec André Mac Odige dans le traitement de nouvelles, je pense que il y a un pile bagay que vous prenez. Vous prenez en main. Et bon bagay que toujours qu'on dit nous dans la nouvelle là, il pas courir des scoops après ça pour y retourner. Pour la demande d'excuses. Secrétaire général, Association Journaliste Haïtien, yo, AJH, Jacques Desrosiers exprimait tristesse face à l'amour André Mac Odige, qui s'est en pète pour corporation par rapport à souci qualité professionnaliste. Jacques Desrosiers présentait tout journaliste André Mac Odige comme un militant dans le secteur qui était toujours participé dans toute activité, surtout dans le syndicat qui a défendu les droits journalistes. Si on pète pour la presse là, c'est un contexte qu'on y a là, côté que j'ai la presse là fonctionné à que y a un personnage un journaliste André Mac Odige que la presse a été besoin toujours. La presse a pensé qu'il pas de copain pour le aller, faut qu'il est là toujours pour le pas toujours partager ça qu'on a expérience li et rigueur li avec journaliste. André Mac Odige, fête 7 avril 1959 dans la commune des Dunes, département de la Tibonite, li quitté plusieurs petits. Il mourit après une longue période de maladie à cause d'un accident vasculaire cérébral AVC. Il mourit 28 juillet 2004, il a 65 l'année.